I used to design for gods. Hmm, but perhaps you come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Bonsoir et bienvenue dans It's Alive, premier épisode, une émission signée les dés sont jetés dans laquelle on va discuter jeu de rôle, mais sans lancer de dés cette fois-ci, pour donner vie d'une manière un peu différente à notre loisir préféré. Pour cette émission crash test, je serai accompagné de Basile, avec qui on va certainement essuyer pas mal de plâtre hein, sur cette première de It's Alive. Salut Basile, comment tu vas Salut Goldie Eh ben écoute, ça va très bien, très heureux de lancer ce nouveau format. Jeter ai des dés c'est bien mais de parler un peu de comment on fait les choses quand on joue pas, c'est bien aussi. Lancer un petit peu à l'arrache, on teste la technique en même temps qu'on fait, qu fait la première, donc faudra certainement être euh, indulgent, mais euh, pour vous présenter un peu le concept, euh, au cours de chaque émission, on va aborder des sujets qui nous tiennent à cœur au sein du jeu de rôle, euh, débattre à ce sujet entre nous, et puis on entrera dans une phase un peu radio libre, où l'on recevra certaines personnes parmi vous pour participer au débat et partager euh, nos avis. Avant toute chose, euh, si jamais vous écoutez cette introduction et cet épisode, en podcast, sachez que pour pouvoir participer à l'émission, il faut nous suivre sur les réseaux déjà pour savoir quelle sera la prochaine date de l'émission. Et puis, il faut venir en live sur Twitch, sur twitch.tv/slash tout attachés et sans accent pour pouvoir participer dans le chat et dire Moi, 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 j'ai mon avis à donner sur le sujet et passer en direct sur la radio libre. Et euh, la, première, la première thématique, euh, ça va être autour de la responsabilité du MJ ou de la responsabilité de toute la table. Euh, la question, c'est où se borne le rôle de chacun autour de la table, ou, comme moi je m'amuse à reformuler à chaque fois les, les thématiques, ou quand l'homme doit prendre sa responsabilité sur l'œuvre dans le JDR. Euh, effectivement, à quel moment... Ouais, bon. t'as as vu, vu, je m'amuse un peu. <laughs> C'est mon passé de conférencier, euh, un peu frustré. <laughs> euh, donc effectivement, la question, c'est, selon vous et selon toi, Basile, euh, où s'arrête la responsabilité du MJ et où s'arrête la responsabilité de la table Ou, question inversement posée, qu'est-ce qui est de la responsabilité du MJ et qu'est-ce qui est de la responsabilité de la table Alors, au comble du hasard, qui n'en est pas un, ça tombe bien, parce que j'ai publié une vidéo sur TikTok à ce sujet, pour donner un aperçu <laughs> de, de mes positions. Bah, quand je prépare une émission, tu vois, je je à Donc le mec, il souffle um, les thématiques, et puis après, en fait, il est tout préparé de base. D'accord. On fera une prochaine émission sur la voix, vous inquiétez pas. <rire> <rire> um, pour, uh, pour définir ce, ce sujet, il y a pour moi besoin un peu de uh, faire des catégories de tables. Okay. Je dirais qu'il y a uh, la table où il y a un, un, un MJ. Mm ou une MJ qui joue depuis très longtemps et qui veut euh, introduire des nouvelles personnes dans le jeu de rôle. On a des expériences différentes. Il y a la table où euh, tout le monde est débutant, MJ y compris. Genre groupe de, de potes qui disent Tiens, on se mettrait bien au jeu de rôle Et il y en a un qui dit, un ou une qui dit bah ok, je, je prends la casquette du MJ, euh, j'y vais. Je pense que c'est important de faire la différenciation, de faire la différenciation, pardon. Pour euh, bah, Le premier point que je voulais aborder, c'est euh, apprendre les règles. Moi, je, je fais de l'intro, euh, de l'initiation au JDR à, à pas, mal de, pas mal de gens. Aucun souci. Souvent, c'est Donjons et Dragons, c'est souvent ça qu'ils veulent jouer. Je ouais, connais les règles sur le bout des doigts, je leur fais des petits docs récap, et ça va. Mais quand euh, j'ai joué pour la première fois, j'y repense à la cinquième édition, avec des copains, c'était pas moi qui étais MJ. Néanmoins, j'avais le livre de base et j'ai appris les règles. Là, pour le coup, quand on est tous à démarrer sur un nouveau système, mmh. pas de raison que ce soit l'EMJ ou la MJ qui doivent se taper toutes les règles et qui dit aux autres Je vous explique ça, euh, je vous fais un résumé en 20 minutes en début de session où on voit ça au fur et à mesure. Pour le coup, si on a le même niveau de connaissance de base, on doit fournir ce même investissement. Euh, parce que déjà celui qui va prendre le rôle de MJ va prendre plus de taf, donc on peut au moins mettre ça euh, en mode. C'est trop souvent et c'est une habitude, on va dire un peu culturelle du jeu de mmh. rôle. Le MJ explique les règles, et les, les joueurs. Si, 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 joueurs. C'est en fait, lui ça le, la bible, la bible des règles, quoi. En gros, euh, t'en réfères à lui dès que as une question, quoi. Voilà. Mais, euh, mais c'est si d'autant plus vrai ce que tu dis. MJ, euh, un manuel de joueur achetez-le, quoi. En plus, pour bah, vous, après C'est d'autant plus vrai ce que tu dis que, euh, au final, dans des grosses tables, c'est souvent le cas sur les grosses tables. Parce que sur une table de 4 personnes, tu vas pas forcément trop t'imposer pour pas prendre la place du MJ, etc. Mais euh, sur des grosses tables, vous savez qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Aidez votre MJ, soyez gentil, quoi. Si vous voyez qu'il y a une personne en bout de table qui est un peu loin du MJ qui galère avec les, avec les règles, soyez pas vache. Glissez-lui deux, trois petits trucs, aidez-le, ça, ça aidera tout le monde et ça fluidifiera la partie. Et si votre MJ il a un point de règle dont il doute justement parce qu'on découvre un nouveau système, et ben on a le droit en tant que joueur ou joueuse de dire euh, pour cette situation-là, moi je, si je me rappelle bien, c'est comme ça. Et normalement, si vous avez une table avec une bonne, une bonne ambiance, le MJ va dire le ou la MJ va dire, bah très bien, on fait ça, ok, on fait comme ça. Et puis il y aura éventuellement une vérif en fin de session, mais le laissez pas si vous avez, euh, si vous avez la réponse. Le laissez pas, pas la galérer. <laughs> dans Le bouquin, merde, c'est où, machin. Et en plus, ça va vraiment dépendre de quel jeu vous faites aussi, le volume mmh. de règles. Donc ça, ça pour moi, c'est le premier point, et à okay. minima. Euh, euh, si vous apprenez pas autant de règles que ce qu'il y a dans un bouquin, euh, par pitié, apprenez votre fiche de personnage, quoi. <laughs> ouais, c'est le minimum. Mais effectivement, c'est vrai qu'on peut on peut dire ça. La première responsabilité d'un joueur, avant tout, c'est de maîtriser son personnage, c'est de maîtriser ce qu'il a sur sa fiche et euh, de. Euh, alors, on, on lui demande pas forcément de maîtriser tous les aspects de sa fiche dès la première séance, surtout si c'est euh, si son premier jeu de rôle qu'il apprend, qu'il débute. Mais effectivement, euh, faire l'effort de regarder un petit peu euh, les règles, euh, les pouvoirs qu'il a, surtout, les capacités que peut avoir son personnage, euh, les langues qu'il connaît, si jamais c'est important dans le, dans le scénario. Et, euh, et voilà. Après, euh, au moins savoir où trouver les informations sur sa fiche, même s'il ne les connaît pas par cœur, quoi. Au moins maîtriser sa fiche. C'est ça en fait qu'on qu demande. Voilà, et puis souvent il y a quand même... Euh, euh... Un système de base, on prend Donjons et Dragon. Bon, bah, dans le combat, faut d'abord faire un jet d'attaque et après les dégâts. Bah, oubliez mmh. pas que vous avez un jet d'attaque mmh. à faire. Si vous avez des sorts, regardez lesquels sont en action, lesquels sont en action bonus. Éventuellement, préparez-vous une petite, une petite fiche, parce que la fiche de perso, elle n'est pas toujours hyper ergonomique. Préparez-vous une petite fiche, mes mais actions, mes actions action bonus. Il y a plein de. Ou trouvez-en sur, sur Internet si vous faites un jeu. Mmh. Il y a un peu une grande audience. Vous trouverez tout ce qu'il faut, qu faut, pour ça. Moi, j'ai pour mes parties de, de donjons et dragons, j'ai des cartes ah oui. de, de sorts. C'est vrai qu'ils ont sorti ça. Ouais. Bon bah comme ça, hop, elles sont classées, c'est trié et tout, mmh. c'est hyper pratique. Après, tu vois, pour, pour sortir un petit peu euh, de, de la full responsabilité euh, MJ, on va dire, et euh, surtout euh, des, des jeux qui sont très euh, très mécaniques comme donjons et dragons. Euh, au niveau, il y, y a une responsabilité aussi, à mon sens, au niveau de l'immersion. C'est-à-dire que vous pouvez pas attendre du MJ qui vous immerge dans son univers en tant que joueur. Hein, si vous faites pas l'effort de d'être le premier à, à être dans le dans l'immersion et à faire l'effort d'imaginer vous-même en fait ce qu ce qu'il vous présente. Alors certes, il y a des, des astuces pour aider euh, à l'imagination euh, de votre euh, enfin à, à l'immersion euh, pour pour le MJ. mais de votre côté si vous ne faites pas l'effort d'être dans le mood pour vous plonger dans l'immersion ça va être compliqué pour le MJ, il va ramer pendant, pendant pas mal de temps c'est comme euh, c'est comme s'il y avait le roi qui disait euh, bouffon fais nourrir mais qu'il n'est pas du tout disposé à écouter une blague quoi donc c'est un, euh, un peu compliqué quoi bon, bah bon. c'est ça <laughs> à, en tout cas c'est à définir euh, en, début de, en début de campagne en début de projet, Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous immerger? Est-ce que vous voulez euh, mm. faire les choses autrement? Euh, mais ça, c'est sûr que s'il y en a qui disent qu'ils veulent vivre une grande aventure et qu'ils font du hors RP tout le temps, ce sera pas possible. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et, euh, et après, pour, pour aller euh, effectivement un peu plus e peut-être. Euh, euh, toujours au niveau de l'immersion, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la description, faire en sorte que les descriptions soient claires, que euh, l'intonation sur les voix soit donnée, etc. Ça, évidemment, ça va être le, du ressort du MJ, où le MJ va essayer de mettre en place ces éléments-là, à sa mesure, hein, sans, sans forcément être un spécialiste de la chose, mais euh, il va mettre en place ces éléments-là. Donc, la moindre des choses que vous ayez en face, c'est de faire l'effort. D'accepter en fait ce qu'il vous offre et ce qu'il vous propose comme, un, comme jeu d'immersion et, euh, et d'aller dedans. Donc, ça c'est effectivement, il y a la part de responsabilité du MJ, c'est important. Effectivement, si, euh, si ah, vous êtes face au grand méchant et là il s'adresse à vous et vous dit Mais qu'est-ce que vous foutez là Ça va moins marcher. Effectivement, euh, il va y avoir un moment où vous allez sortir du jeu, je vous l'assure. Mais par contre, si effectivement euh, le méchant a une. Que, que le MJ fait l'effort d'avoir une voix de méchant euh, face à vous et que bah, votre MJ est peut-être pas très doué avec les voix, peut-être que euh, au final sa voix de méchant est pas crédible. Bah, évitez de lui casser son truc en lui disant non mais là je peux pas ta voix de méchant elle est nulle à chier euh, ça, ça passe pas. Évitez de, de lui casser complètement son truc et euh, acceptez le. le le crédit d'incrédulité en fait, euh, enfin le, le principe de, de la crédulité on va dire, et euh, dites ok, donc ça c'est le méchant, j'ai compris son intention, j'ai compris qu'il voulait faire un, un méchant, et donc je vais partir du principe que mon personnage a compris que c'était un méchant. Voilà. On, on, parce que c'est hors RP au final que de dire mais il a une voix de merde ton méchant. Hein, ou de s'adresser aux au méchants en lui disant ta voix elle est ridicule déjà vous allez vexer votre MJ donc c'est peut-être pas la bonne solution et en plus de ça euh, bah, je trouve que ça, ça sort un peu du jeu quoi. oui et puis euh, bon on est on est aussi parfois dans un décalage d'attente entre le RP que doit avoir le MJ et le RP qu'on a nous c'est une, une grande phrase que dit euh notamment euh, si je ne dis pas de bêtises, Brendan Lee Mulligan le grand oui. MJ de Diamond 20, il dit qu'il peut faire à, à, des choses assez dingues en tant que MJ parce qu'il a une table assez dingue mm. et que si nous on joue avec lui euh, et, on ne sera pas au niveau et ça ne mm. passera pas c'est vrai se se ce que pas pas dis, comme ça se tu as souvent un reflet qui est donné euh, de la part de la table si tu sens que tu as une table qui est à l'aise et qui veut euh, qui veut aller dans de l'immersion dans de l'interprétation euh, Toi-même, ça va en tant que MJ, ça va te conforter à y aller et euh, ça va t'aider à, à te lâcher euh, sur tes interprétations. Oui, alors que s'il n'y a, a pas de rebond à ce, que tu, à ce que tu proposes, à un moment tu vas arrêter de proposer. Mm. Euh, inconsciemment ou, ou, ou pas, mais c'est une dynamique. Euh, donc forcément, ça, ça, marche, ça marche comme ça. Mm. Euh, et sur la fiche de perso, à la limite, justement, si, selon le jeu que vous faites. Euh... Bah, prenez aussi, euh, selon le jeu que vous faites, l'expérience que vous avez sur ce jeu et l'expérience que vous avez en jeu de rôle, choisissez peut-être une classe qui n'est pas forcément celle que vous voulez jouer, mais on sait qu'il y a des classes qui sont plus faciles que d'autres. Généralement, les lanceurs de sorts dans les gros jeux type Pathfinder, Donjons et Dragons, euh, vous allez avoir plein, plein, plein de trucs à gérer. Moi, je sais que le tout premier personnage que, que j'ai eu entre les mains, bah, c'est un guerrier. Bon, bah. C'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais pour apprendre Donjons Dragon 3.5 quand t'as 14 ans, bah c'est très bien. <laughs> J'avoue. Est-ce euh, qu'on a d'autres choses à dire sur la responsabilité du MJ ou responsabilité de toute la table au final Qu'est-ce qui... La, la, la responsabilité première de, de n'importe qui autour de la table, quelque part, ça va être d'abord de venir avec un bon état d'esprit autour de la table. Oui, et... Euh... D'ailleurs, euh, ou si tu as un mauvais ça, état d'esprit, de prévenir les gens que potentiellement tu vas peut-être être un peu bougon parce qu'il s'est passé ça dans la journée. Éviter de laisser les gens dans, dans l'expectative de pourquoi il fait la gueule. <laughs> Et que par rapport à ça, si on va encore plus loin, dans les, les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux, etc., on voit souvent des vidéos qui disent au MJ comment gérer un, une personne toxique à la table. Mm. Bah, ça, là, là aussi, pour moi, c'est le rôle de tout le monde. Enfin, moi, je me verrais pas en tant que joueur. Euh, si j'ai une pauvre tâche à côté de moi qui dit des trucs euh, misogynes, racistes et tout, attendre que le MJ réagisse. Je vais lui dire gentiment de se casser, oui. même si je suis joueur. Alors on est avant tout dans un contexte social, dans un contexte social euh, enfin, en dehors du jeu de rôle. Je pense que personne n'aurait laissé passer le truc. C'est pas parce que le MJ a cette figure effectivement peut-être de d'autorité entre guillemets euh, mmh. sur le jeu que euh, il a euh, figure d'autorité sur euh, ce que font et ce que disent toutes les personnes autour de la table c'est pas sa, sa responsabilité directe quoi voilà. et après euh, noté, je m'étais noté d'autres petites choses qu'on peut prendre euh, qu'on fait souvent en tant que mJ plutôt dans nos, dans notre responsabilité mais si on n'est pas à l'aise on peut le confier à d'autres euh, je pense à la musique d'accord ouais c'est-à-dire que si tu as fait une playlist, tu peux tout à fait euh, laisser euh, la playlist. À, si tu as juste nommé euh, combat, forêt, euh, machin, le, tu vas commencer ta narration. Tu peux avoir un joueur qui, ou une joueuse qui déclenche ça euh, au bon moment. Ouais, c'est ouais, pas bête. J'avais jamais pensé de répartir au final le rôle euh, comme ça euh, dans l'équipe. Euh, on peut euh, demander au, aux joueurs et joueuses de tracer la map là plutôt quand on est en mode autour de la table, et puis en mode exploration, on n'est pas obligé, pas obligé de, de se mettre debout, de prendre le crayon de dire bon bah là vous êtes dans un couloir, à gauche il y a une porte, à droite mmh. il y a une porte. On peut narrer comme ça et voir euh, ce qui est euh, ce qui est compris. Et puis euh, après euh, laisser la place à la narration partagée. Ça c'est pas forcément spontané, ça va beaucoup dépendre d'un jeu à l'autre, mais pour moi ça marche dans plein de dans plein de cas. Euh, moi, je aucun problème à ce que des, des les gens à ma table fassent net des PNJ, par exemple. Euh, okay. Quelqu'un qui me dit euh, On est dans un truc d'enquête euh, sur des multinationales, et il me dit Ah, là, 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 j'ai besoin d'infos euh, sur Black Rain Corporation. Est-ce que, que je peux contacter euh, Bill? C'est un ami d'enfance, euh, je crois, qui est devenu hacker mmh. et tout. Je l'avais pas prévu. Euh, alors, bah, ça, c'est plutôt certains un jeu truc qu'on qu définit qui... avant il y, y a certains jeux qui le font très bien les, notamment quand euh, ils laissent euh, à la discrétion du joueur des, des emplacements euh, libres d'objets c'est objets euh, objets objet divers un objets divers 2, ou euh, que on dit bah voilà t'as euh, as cinq contacts utiles ou des choses comme ça ou au final effectivement tu laisses Et la liberté dans... au joueur d'inventer ce, ce genre de choses quoi Et ça dans Blade in, Blade in the Dark notamment ok où on peut, euh, on peut effectivement avoir des objets, euh, on doit prendre des objets de base et après on, doit, on a une liste d'objets qu'on peut utiliser, mais qu'on va dire au moment de l'action bah, en fait j'avais ça aussi. On a trois emplacements, euh, on peut dire bah, en fait j'avais pris ça et là du coup je vais m'en servir, et c'est vrai que c'est très chouette. Oh, hum, pas mal, hein. et, euh, et après, bah, du coup j'avais aussi envie de parler de, euh, pour finir, de l'après-session. Mmh. Euh, moi, j'ai fait pendant une campagne, à un moment, j'ai laissé la main sur le, sur le journal d'aventure. C'est-à-dire qu'on utilisait oui. la plateforme Obsidian Portal où il y a une partie journal. Et à un moment, j'ai dit, moi, j'ai pas le temps d'écrire le bilan de la session précédente et de faire euh, la session suivante. Donc, il y a une joueuse qui a dit, bah, pas de problème, moi, je prends le, je vais faire le journal. Euh, en plus, elle l'a vraiment écrit comme le journal de son personnage, oui. donc c'était très chouette à lire. La première personne et tout. Et euh... Ouais. Et moi, ça m'a apporté un truc hyper intéressant, c'est de voir ce qu'elle avait compris. Aussi. Ah oui, complètement, oui. Mais ça, ça justement, c'est ça, si ça, que... ça, quelque part un peu la, la, la responsabilité aussi euh, euh, du joueur de euh, prendre des notes ou non et euh, de euh, faire en sorte que ce qu'il a retenu pendant cette session, il l'est toujours en tête pendant la session d'après. Mais ça, tout, tout le monde ne fait pas ça, de, de prendre des notes. Donc, euh, voilà. bon, Chacun, et chacun en, en... sa méthode, quoi. En, en combinaison de ça, il y a bah, demander en session un, un résumé de la session précédente à, à la table et pas de le, le faire en tant que, que MJ. Alors c'est vrai que quand on dit ça, on, dit, on, on a un peu l'impression de dire que nous les MJ, on voudrait que nos joueurs ils fassent bien plus de trucs. C'est pas une liste de, de, de plaintes, <laughs> mais euh, bah voilà, je pense que ça montre un investissement et que aussi bah, s'investir euh, en dehors du temps de session, ça donne envie de jouer. C'est-à-dire mm. que quand on réécrit le résumé on se dit, oh là, là là, vivement la suite. Alors que si on est juste rentré chez soi, on est passé à autre chose, on n'a pas retouché, on n'a pas repensé jeu de rôle. C'est une, bon, se se une manière de se remettre dedans aussi. Tu sais que ta prochaine session, elle est la semaine suivante, que ça fait un mois que tu pas joué. Tu te dis, ah, il y a le résumé qui est disponible, je vais aller lire le résumé, me remettre dedans. Et euh, une fois que tu arrives, c'est frais, tu peux dire, ah, je, je me rappelle ce qui s'est passé, c'est vrai, on a dit ça, il y a eu ça, etc. Et donc, du coup, euh, bah, je, 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 je suis dedans directement. Il n'y a pas ce temps de, de mise en place qui euh, est nécessaire au cours de la première, euh, de la première session. Ça, c'est sûr. Mais au cours des sessions suivantes, on, on espère que ça évite, au final, quand on fait ça, euh, pour rentrer assez vite dans le vif du sujet. Et s'il si faut déjà une demi-heure pour que, euh, en début de session, les joueurs et joueuses euh, eh bien, euh, échangent entre eux en disant Ah oui, mais la dernière fois, je crois qu'il s'est passé ça, je crois qu'un tel il a dit ça, euh, potentiellement j'ai des, euh, des théories sur ci, sur ça, etc. Bah tu perds beaucoup de temps au final sur la, sur ouais. la session de jeu, quoi. Et le dernier point que j'avais dans mes, dans mes notes... Ouais. Euh, C'était euh, quelque chose que je ne fais pas, et je ne sais pas si toi tu le fais, mais quand on fait le débrief de fin de session, souvent on va demander aux joueurs qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, etc. Ouais. Et en fait, nous, en tant que MJ, on dit pas. On laisse pas, faux, pas ouais. mal l'évaluation de ce qu'on a proposé, alors l'évaluation avec des guillemets, mais de ce qu'on a proposé aux joueurs et joueuses, mais nous aussi, on a le droit, euh, en, c vrai. dans le, le respect et, et tout ça évidemment, mais on a le droit de faire notre retour aux joueurs et aux joueuses de dire j'ai adoré quand vous avez fait cette scène là la, votre stratégie sur ce combat mais par contre bah ça j'ai moins aimé ouais mais c'est vrai que alors moi je le fais pas non plus euh, j'ai jamais vraiment pensé euh, maintenant que j'y que repense mais euh, mais c'est vrai que parfois tu peux tu peux souligner des euh, des pas des comportements problématiques mais peut-être des scènes que tu as trouvées un peu longuettes parce que euh, voilà disons ils se sont complètement fourvoyés, ils sont allés dans un sens qui ne te plaisait pas ou, euh, ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire. Mais, euh, mais ouais, s'autoriser ouais, à faire des, des retours sur, euh, sur ce qu'ont fait les joueurs. C'est peut-être aussi ce, ce côté euh, justement euh, où on se met faussement en retrait comme si on était en, en prestation quelque part, comme si on ouais. était là pour travailler. Euh, et être évalué directement, euh, ça, je ne sais pas si c'est très français ou pas, hein, comme, comme vision des choses. Mais, euh, mais ouais, pas bête, j'avais jamais pensé. C'est un autre débat, mais justement, effectivement, on n'est pas prestataire, on est, est ami avec nos amis le plus souvent. Et, euh, et justement, dans comme le cas il où a... vous seriez un MJ professionnel qui vend ses services, là, ce serait différent, effectivement. Voilà, exactement. Il y a la, ça fait couler des fois un peu d'encre. Bon, moi, je. Je ne vois pas de problème à ce que des gens fassent payer s'il y, y a des gens... C'est l'offre et la demande, s'il y a des gens qui veulent... Ouais. Mais du coup, <laughs> dans ce cas-là, justement, euh, ça, ça créerait une distinction claire. Ça créerait... Si les gens, quand ils jouaient avec leurs amis, s'investissaient avec tout ce qu'on vient de dire en tant que joueur-joueuse, mm -hmm. eh ben, prendre un MJ professionnel, le payer pour ça et ne plus s'occuper de toutes ces choses-là, on aura le droit d'arriver les pieds sous la table, et eh ben ça et ça casserait peut-être un peu ce débat ouais, Alors, je pense qu'effectivement il, il doit y avoir une notion où du coup tu te, tu te sens un peu libéré de tout ça et quelque part comme t'es pas responsable en partie de la bonne ambiance et de ce qui se passe autour de la table enfin, selon toi hein, quand, quand j'imagine tu loues un, un MJ euh, tu vas peut-être t'autoriser des choses que tu te permettrais pas euh, face ah. à un autre MJ quoi j'évoquais pas forcément en jeu mais dans la, la préparation justement ah oui Sur connaître okay. les règles s'investir dans, dans son personnage etc et ben là on peut se dire bah ben non j'ai pas besoin de connaître les règles je paye une personne aussi pour ça mmh. mais si du coup on se permet de complètement se décharger déjà quand on est euh, entre amis bah ben forcément l'intérêt de payer quelqu'un on le perçoit pas forcément alors que si on s'investissait un peu plus pour soulager notre ami MJ, ce serait peut-être différent. Ok, ça Je pense que c'est un autre sujet, on pourrait en Non mais euh, c'est bien, hein, il, y a, il y a la base d'une formation de coaching pour MJ... Euh... <laughs> On va dire euh, sur euh, un coach de vie de MJ, tu sais, c'est euh, non, mais vous prenez pas pour une merde euh, non plus. Essayez de euh, vous aussi euh, chercher le bonheur dans ce que vous faites. <laughs> ouais, mais on en voit hein, des gens qui ont abandonné le, le jeu de rôle parce que c'était des découragés, ouais. ouais. Mmh. ravers DM par défaut et qui n'avaient aucune reconnaissance par leur euh, groupe de potes. Ils ont accepté pour découvrir Donjons et Dragons ou un autre jeu de rôle de prendre la casquette de MJ mmh. et, euh, et ils se sont retrouvés avec des des amis euh, qui s'investissaient pas et qu'on lâchait. Hein. Moi, j'ai des témoignages, j'en ai vu des tas. Ah ouais, de ouais, complètement. Ouais. Pour ça. Ouais, je comprends. Euh, on arrive au bout des, des 20 minutes qu'on s'était mis à peu près pour euh, développer le, le sujet. On prendrait bien une personne dans le chat pour, euh, pour venir discuter avec nous de ça. Et je vois qu'il y a Saiken, notamment, qui euh, a l'air d'avoir euh, gros sur la patate et d'avoir envie de, de, de parler du sujet. Allô? Allo, allo? Ah, Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui, enfin, on bien. bien. Bienvenue, Seiken, arrive, ça. Euh, sur It's Live. On, on a réussi à alimenter Frankenstein en électricité, c'est bon? Oui, oui, <laughs> oui, oui, oui on a réussi à <rire> réveiller <rire> le monstre, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, on reçoit donc Seiken en, en radio libre, comme, comme on dirait sur euh, Skyrock à l'époque. Euh, pour nous parler de son avis sur euh, eh bien, la responsabilité du MJ et la responsabilité de la table euh, donc, euh, lors d'une partie de jeu de rôle. Euh, j'ai vu que tu avais dit pas mal de choses dans le chat, donc je pense que tu avais un ouais, avis très fort. Je pense fourni. que je vais, revenir, je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que je pense que c'est plus simple. <laughs> Euh, je suis assez d'accord, c'est vraiment sur le fait que euh, le MJ en fait euh, est trop souvent mis en avant comme étant euh, euh, le décideur, des fois euh, un petit peu ultime, le juge par rapport à ce que un groupe euh, attend, vit, alors que euh, le groupe, euh, le groupe lui-même définit sa dynamique et que euh, dans le cas de personnages euh, toxiques. Euh, qui se trouvera autour de la table, etc. C'est pas le MJ qui doit prendre la décision seul. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vient de la table. On peut comprendre qu'il y a des gens qui aient du mal à euh, prendre la parole sur ce genre de choses là, ouais. etc. Et, et, et voilà, ne veulent pas le faire. Sûr. Et c'est pour ça que je mentionne le MJ comme facilitateur plutôt que comme petit chef. Ok. Ah bon, et, complètement. Et, et je fais un petit rebond dans, dans l'autre sens parce que justement on a beaucoup dit les choses que les joueurs devaient un peu prendre en main. Euh, on entend parfois euh, avec humour, mais parfois trop au premier degré. Le MJ a toujours raison. Et à l'inverse, c'est pas vrai non plus. Ah non, ouais. c tout vrai à fait. Que... Tout à fait. Faut savoir parfois remettre remettre en, en doute cette euh, cette voie d'or, on va dire, euh, dans le jeu de rôle. Et, euh, et puis euh, tu ce que tu disais est, est très juste aussi hein, effectivement euh, la, la responsabilité euh, autour de la table souvent quand vous, quand vous lancez une partie de jeu de rôle euh, vous n'êtes pas seul à avoir décidé du groupe de jeu de rôle enfin il n'y a pas que le mj qui a décidé de, de du nombre de personnes qui allait y avoir autour de la table si vous êtes un groupe de potes vous êtes tout autant responsable de votre pote que euh, que le mj et ça je pense que c'est un comportement qu'on enfin' Je pense que les gens autour de ce stream, et je l'espère, seront d'accord pour dire que si vous avez un pote dans votre groupe qui est relou avec une nana dans la rue, vous allez potentiellement lui dire. Donc, alors peut-être pas, hein. il y en a qui ne vont pas le faire. Mais euh, pourquoi vous ne le feriez pas quand c'est autour d'une table de jeu de rôle Et pourquoi ce serait au maître du jeu d'avoir euh, à, à le remettre un petit peu dans le droit chemin, j'ai envie de dire Donc, euh, il y a effectivement cette responsabilité, quoi. Et quand c'est son personnage, parfois aussi, euh, on peut comprendre que certaines personnes veuillent faire euh, utiliser un côté un peu cathartique mmh. dans leur personnage, euh, mais ils peuvent aller trop loin. En, en, ouais. Parce qu'on peut, moi, j'ai joué des personnages euh, horribles, mais euh, faut essayer de faire un truc qui va pas plomber, euh, pas plomber la, la table avec une, une séparation claire, et puis même avec un personnage horrible, des limites pas franchies. Oui, puis ah, il faut savoir toi, être attentif aussi aux... aux réactions des autres joueurs, même ouais. en tant que joueur, savoir voir mm -hmm. quelle est la... la réaction des autres face à ça, s'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise pour mm -hmm. euh, pouvoir le stopper au moment venu. Seiken, toi, tu as, as joué que... avec... Euh... Ouais, j'allais dire de la même manière que pour les X-cards ou pour euh, les, les lignes et les voiles qui sont définies. Oui. Euh, c'est pas juste, euh, c'est pas juste l'EMJ qui doit être capable de se souvenir de tout ce qui a pu être dit par les mmh. joueurs et les joueuses autour de la table. C'est chacun des joueurs et des joueuses qui doit pouvoir dire euh, attention. Là, tu commences à aller sur un sujet qui pourrait déranger un tel ou qui mmh. pourrait me déranger. Euh, c'est pas le, c'est pas l'EMJ qui doit agir Ça en tant qu'arbitre. Le on, est, on est tous là pour vivre une, une belle aventure et, et s'amuser euh, donc au final euh, on est tous euh, garants que euh, tout le monde soit il euh, trouve son compte quoi. toi toi Saiken, tu joues que avec des gens que tu connais est-ce que tu as eu des tables de personnes qui se connaissaient pas entre elles ou toi même tu connaissais pas les gens est-ce que tu as géré ça un peu différemment? Ouais, alors moi, je suis un cas un peu particulier parce que j'ai commencé à mener sans avoir joué auparavant et ah. avec des personnes que je ne connaissais pas. Euh, C'est-à-dire que la première fois que je les ai vus, c'est quand ils sont arrivés chez moi pour la première session. D'accord, ah oui, euh, c'est particulier, ouais. <laughs> la barre est haute. Ah, c'est un Ouais, 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 ouais le, 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 le fossé à franchir était, était sympa. Euh, mais je suis tombé sur un groupe euh, formidable. Euh, peu de personnes qui se connaissaient les unes entre les autres. On euh, ah. avait deux qui se connaissaient euh, sur euh, sur les cinq euh, joueurs qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de joueuse sur la, la au début de cette table-là en tout cas. Et, euh, et donc forcément, bah il y a eu cette notion de, euh, on se dit les choses, on essaye de passer à un mmh. bon moment, et euh, y compris des conseils qui ont été très vite donnés. Lorsque euh, moi j'ai dit, bah voilà, c'est la première fois que je mène, euh, euh, je suis preneur de vos retours, si jamais il y a des conseils qui peuvent être donnés et tout. Et on a un des conseils qui m'a été donné euh, sur la deuxième ou la troisième séance. Euh, Basile, tu connais la personne euh, qui l'a fait puisque tu la croises sur des, sur des streams où on se voit, c'est euh, Dr. Destinova. D'accord. Euh, qui lui m'a dit euh, à un moment où je passais un petit peu trop de temps à aller chercher la règle en elle-même, parce euh. que voilà, moi je fais beaucoup du D&D 5 donc, euh, donc voilà, il y a quand même un peu de règles euh, et c'était euh, en fait là, vraiment cette réflexion de euh, c'est pas grave si tu connais pas la règle à ce moment là soit quelqu'un dit une règle et puis éventuellement tu, tu fais cette petite notion d'arbitrage quand même pour dire bah voilà, à partir de maintenant on va prendre cette règle là, quitte à ce que en fin de session, après la session entre deux, euh, entre, deux euh, entre deux dates on regarde quelle soit la règle et qu'on dise, bon bah voilà, la règle qu'on a appliquée pendant cette session-là, on la fera différemment la prochaine fois. Mmh. Et donc on est vraiment sur cet aspect de co-création, co-construction. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques joueurs qui ont déjà été joueurs à leur table, pas forcément meneurs, mais donc ça a quand même beaucoup apporté. Et par la suite, j'ai eu des personnes que je connaissais pas, des personnes que je connaissais plus qui sont venues. Et j'ai presque tendance à dire que les personnes que je connaissais plus étaient pas les plus simples à gérer justement de ce ah côté-là. Oui. Parce que peut-être qu'ils euh, se permettaient des choses parce qu'ils te connaissaient. Euh, voilà, à l'inverse que d'autres n'osent pas du coup comme ils te connaissent ça. moins. On avait une petite rupture d'équilibre à un moment sur euh, sur sur une des tables euh, et il a fallu voilà que le sujet soit amené qu'on remette un certain nombre de choses à plat. Mmh. Effectivement, moi j'ai fait pour la, euh, la première fois, j'ai mené en, en convention en avril dernier, et donc c'était euh, des tables qui se forment sur la convention avec des gens qui ne se connaissent pas. Et euh, moi j'avais décidé d'être assez, assez vigilant, mais en fait les gens ont, ont beaucoup plus demandé, euh, négocié, euh, genre vous êtes d'accord si on fait ça, tout ça. Mmh. Euh, après je pense qu'il peut y avoir il peut y avoir euh, l'inverse. Moi j'avais fait une table de Monster of the week où j'avais dit euh, c'est à partir de 10 ans et c'est tout débutant donc j'avais plutôt des gens qui avaient jamais joué ou peu joué donc qui étaient assez attentifs. À l'inverse je voyais dans des fiches d'inscription, on demande aux gens qui s'inscrivent leur niveau et euh, une fiche d'inscription pour du Warhammer où il y a je vois premier nom euh, débutant, euh, deuxième nom euh, a déjà joué troisième nom débutant et le dernier il met expert plus 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 il rajoute des plus <laughs> à côté du truc et là j'ai vu un, un red flag direct de oulala là là, là, l'EMJ va avoir une personne à gérer qui va potentiellement prendre beaucoup de place sur le reste du groupe et pour le coup dans une convention je pense que là plus difficile pour les joueurs joueuses peut-être euh, même si c'est gratuit peut-être qu'on est un peu dans cette relation de c'est l'EMJ qui est plus responsable mmh. Dans le format conventionnel. Et dans, dans cette notion d'ailleurs de, de gérer un peu sa table et notamment quand tu as des joueurs comme ça qui peuvent monopoliser l'attention, etc. Où tu sais qu'il peut y avoir des, des personnalités un peu un peu problématiques et où à l'inverse tu sais qu'il y a des personnalités que tu potentiellement connais ou qui sont qui sont safe à ta table. J'avais vu quelque chose de, de très de très juste d'un point de vue psychologique où en fait le mieux pour faire une table de jeu de rôle c'est d'être un nombre impair et sur ce nombre impair tu vas décider de la personne qui sera en face de toi à table la personne qui va vraiment s'opposer à toi euh, physiquement et en fait cette personne qui physiquement va s'opposer à toi instinctivement elle va savoir qu'elle est celle qui a euh, entre guillemets le droit de t'interrompre et un peu plus le, le, le droit de pouvoir intervenir face à toi. Si dans cette position-là, tu mets un joueur qui est problématique, il va s'en donner à cœur joie. Par contre, si tu le mets sur un côté, potentiellement il se sentira moins à l'aise pour prendre la parole pour casser le jeu. Et du coup, c'est ça qu'il faut faire, c'est à la place de cette personne en face de toi tu mets une personne à laquelle tu as confiance en qui tu sais que elle va pouvoir euh, justement euh, rebondir sur ce que tu dis aller dans ton sens aller dans la conneration, etc pour montrer l'exemple parce que c'est cette personne là qui sera euh, la plus à même de suivre tes idées au final après je sais je, je l'ai de temps en temps un peu vérifié moi je le recommande après euh, je, je pense que comme toute euh, euh, science euh, parfois il y a, y, a, y, a y a des failles hein, euh, en psychologie mais <laughs> je sais pas ce que vous pensez de ce genre de, de petits conseils de votre côté vous euh, peuvent permettre de euh, peut-être mettre euh, un peu plus à l'aise certains joueurs d'ailleurs en le positionnant face au MJ ou euh, de, de s'assurer un allié euh, à sa table moi quand j'ai une table avec des gens euh, totalement débutants et des gens pas débutants les Totalement débutants, je les mets à côté de moi pour pouvoir leur pointer des choses éventuellement sur mmh. leur feuille de personne. Alors, du coup, c'est un peu contre-dire euh, contre ce que je disais avant, parce que du coup, c'est moi qui prends cette euh, responsabilité, alors que les autres euh, joueurs-joueuses pourraient le faire. Mmh. Mais c'est vrai que instinctivement, je le faisais. Je le fais, je le euh, je fais plus euh, systématiquement maintenant. Bon, après, parce que je joue surtout en ligne. Ah oui, oui c'est sûr que voir les joueurs euh, débutants à côté de soi quand tu es en ligne, c'est plus compliqué. Euh. Mmh. <laughs> Je moi personnellement je fais pas attention du tout sur les aspects de placement. D'accord. Euh, je sais que j'ai déjà mentionné à des joueurs et des joueuses à ma table que euh, alors nous on est un cas un peu particulier parce qu'on est un groupe avec plusieurs MJ. Donc on, on change semaine d'après mmh. semaine, après semaine de, de MJ et de campagne. On tourne sur trois ou quatre. Et en fait, euh, moi j'ai toujours dit je ne me mets pas à la même place, fonction du personnage que je joue. Euh, de la même manière que je ne vais pas avoir les mêmes interactions avec les différentes personnes qui sont à la table. Mmh. Euh, L'exemple typique, c'est euh, le personnage A sur la campagne 1, elle va bien s'entendre avec euh, B, mais pas avec C, alors que le personnage, euh, un autre personnage dans la campagne euh, numéro 2, elle, elle va euh, mal s'entendre avec B, mais elle s'entendra plus avec C. Ouais, Et le okay. fait juste de ne pas être localisé au même endroit, me permet plus facilement de gérer cette partie. Mais par contre, euh, on n'est pas sur une mécanique de euh, euh, qui serait potentiellement, pas forcément un antagoniste, mais quelqu'un qui pourrait euh, plus remettre en cause des choses par rapport au MJ. On n'a pas ce genre de truc. Nous. Mmh. Après, euh, je ne sais plus exactement ce que disait cette étude, mais je crois qu'il y avait quelque chose d'assez euh, intuitif et de... Euh, de comment dire, naturel, ça se, fait, ça se fait tout seul, quoi, le fait que euh, cette personne-là, euh, selon la, la position qu'elle a, si elle est dans le mood d'aider le MJ, ça va l'encourager. Si elle est dans le mood d'enfoncer le MJ, ça va l'encourager. Euh, oui, et c'était généralement une, une remarque qui était surtout donnée aussi pour les personnes qui gèrent des réunions euh, oui, <laughs> dans oui, des entreprises, j'allais dire. Voilà, c'est ce plus, plus ça, généralement, c'est qu'en fait, tu, tu te mets en position de débat, en fait, quand tu fais ça mais en position d'opposition. Et donc, euh, du coup, euh, fatalement, cette personne-là va sentir qu'elle peut aller contre toi euh, dans cette, dans cette position-là. J'avais une prof de communication qui nous avait même expliqué que sur des réunions qui pouvaient être tendues, elle changeait la disposition des tables pour mmh. éviter d'avoir une personne qui soit, qui soit comme ça, en pure confrontation. Ouais. Et avec des personnes en fait qui se regardaient les unes avec les autres et la personne qui était au milieu qui euh, au lieu de faire euh, au lieu de faire médiateur était plus en mode arbitre. Okay. Euh, mais enfin, voilà, on est sur euh, on est sur de la psychologie, sur des choses qui euh, marchent de temps en temps et peuvent ne pas marcher aussi. Oh oui, ça peut ça peut tout à fait ne pas marcher, ouais. mmh. c'est sûr. Euh, je pense qu'on arrive au bout de, de, ce, de cette première thématique. Hein. On, va, on va te remercier, Seiken, de nous avoir euh, donné euh, ton avis et d'avoir participé à cette première de euh, It's Alive. Et on va pouvoir passer à la thématique numéro 2. Euh, encore merci, Seiken. et, euh, et avec plaisir. On te, plaisir. Et on te Pierre, retrouve à dans le chat, de hein, toute façon. Euh... Oui, je bouge pas. <laughs> et oui, avec grand plaisir, à, à la prochaine, et euh, d'ailleurs Saiken euh, qui stream aussi de son côté, donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir ce qu'il qu fait sur sa chaîne, et, euh, et puis bah peut-être qu'à l'occasion euh, tu passeras aussi euh, sur notre chaîne pour, euh, pour un petit live commun, euh, pourquoi pas. On, on verra. Je, je, pour l'instant, je préfère laisser ma place à euh, d'autres <laughs> personnes, notamment laisser place à la diversité. Tout à euh, fait, faut, ça fait partie des thèmes que vous aviez abordés lors du débrief justement de la saison. C'est vrai. Ça marche. Merci encore, Saiken. En conclusion, si on devait tirer une, une conclusion sur, cette, euh, sur la responsabilité partagée qu'on peut, euh, qu peut avoir autour d'une table. On a vu que le MJ a sa responsabilité, mais ce qu'on a surtout pointé, c'est les responsabilités un petit peu euh, non connues ou peu communiquées des joueurs autour d'une table, ou en tout cas celles qui parfois relèvent du bon sens quand on n'est pas dans le rôle du... De... Enfin, quand on n'est pas dans du jeu de rôle, et qu'on oublie un petit peu euh, sous la casquette du jeu de rôle, pour la simple et bonne raison que comme on a un MJ, on s'en réfère à ce MJ. Et donc, euh, on essaye de sortir un peu de cette euh, de cette euh, mécanique-là. On a aussi noté quelques petites euh, quelques petits conseils de euh, de con narration euh, etc. Que, que tu nous as donné, euh, Basile. Oui, effectivement. Et puis, mais d'une manière plus générale, bah, je pense que euh, c'est la phrase bateau, mais toujours vrai. La communication, c'est la clé. Donc, si vous êtes ah ouais. MJ, que vous avez un peu l'impression de crouler. Sous les responsabilités, bah, parlez-en. Vous avez peut-être aussi, il y a même très fortement des joueurs et des joueuses qui n'ont pas réalisé, qui pouvaient faire peut-être un peu plus c pour vrai. vous décharger. C'est vrai, tout à fait. Et tu donnais un. Je... Moi, moi, ce que je vais retenir, c'est la notion de musique. Euh, J'aime beaucoup le fait que ce soit géré par un joueur. Je vais, euh, je vais voir ça pour mes prochaines parties en physique, pas en live. En live, c'est un peu particulier parce que c'est euh, euh, garant de, euh, de. Comment dire euh l'ambiance générale du live. Et si je fais le parallèle avec le live, sur nos parties de Monster of the Week, c'est toi qui gères tout l'affichage d'éléments visuels. C'est vrai. Quand moi je mène, et c'est très, très appréciable. Donc du coup, euh, l'extension marche bien. Mais voilà, il faut, il faut en parler parce que peut-être qu'on n'y on pense pas, en fait. On se dit... Parce qu'il n'y a pas de spoil, par exemple, dans la musique. Si on les appelle euh, la forêt, le... enfin, difficilement. À moins qu'on appelle ça... Le tombeau englouti du grand prêtre Aratum, et là forcément, euh, c'est un petit peu où, hey, en fait le tueur c'était le prince. Bon, voilà, faut ouais. bien nommer ses musiques, mais euh, je pense que ça, ça a pas grand impact. Éviter d'une manière générale hein, d'avoir des musiques au titre beaucoup trop euh, évocateurs. Euh, on, bon, après il y, y, y a des cas particuliers. Hein, Duel of Fate, on sait que ça va être un combat, mais, euh... <laughs> mais voilà voilà. Et, euh, et on va pas parler plus longtemps que ça parce non. que euh, on compte évidemment parler musique à un moment oui. et euh, peut-être même inviter une personne experte de la musique que euh, certains parmi vous dans le chat connaissaient. C'est déjà la fin de notre euh, émission. Oh bah mince bon, alors On espère que ça vous a plu en tout cas et on aura l'occasion de nous retrouver pour de prochaines euh, éditions hein, de cette émission. D'ailleurs, pour savoir euh, quand aura lieu notre prochaine émission, suivez-nous sur les réseaux. C'est quand même encore le meilleur moyen euh, de savoir quand on fait des lives. Vous pouvez aussi venir sur Discord, comme on l'a dit, il y a une très belle ambiance. En plus, Basile est très présent sur Discord, donc euh, <laughs> il suit tout. C'est ce un passe. peu amélioré sur les annonces sur les réseaux aussi. On oui. est un peu moins à l'arrache, la, oui. on essaie de faire le planning chaque, chaque je, lundi je, matin. Alors, je vais vous avouer une chose il y a une chose essentielle qui a changé qui fait qu'aujourd'hui on est meilleur sur les réseaux, c'est que Basile poste et pas moi. <laughs> Globalement, c'est beaucoup plus régulier du coup. <laughs> Ça a été mon métier pendant quelques années, donc j'arrive pas, j'ai le téléphone collé, collé au doigt, donc une fois qu'il m'a donné les accès aux comptes c'était parti. À cette, euh, à cette occasion hein, aussi, on, on en profite pour vous dire que vous pouvez nous envoyer euh, vos suggestions d'invités et ou de sujets que vous aimeriez voir dans cette émission, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, Discord, ou par MP, hein, si jamais vous avez envie de nous, nous MP vos, vos idées, n'hésitez surtout pas. Et puis euh, pensez également à aller nous mettre une bonne note si vous nous écoutez en podcast, une... Un petit 5 étoiles, hein ce serait top. Voilà. Je voulais juste ajouter que pour nous, ce qui est important, c'est que ce qu'on peut appliquer au jeu de rôle ne se limite pas euh, aux compétences de gens qui font du jeu de rôle et qu'on espérera réussir à recevoir des gens qui viennent d'autres univers, mais qui pourront nous apporter des choses sur des techniques ou sur des façons de réfléchir, des façons de penser mmh. qu'on peut appliquer au jeu de rôle. Bah pour un peu élargir nos horizons et ne pas rester dans un entre-soi un entre-soi entre rôliste après voilà effectivement euh, le, ce qu'on appelle le jeu de rôle est très vaste hein. il y a 36 000 façons d'imaginer euh, le jeu de rôle et euh, surtout n'hésitez surtout pas à nous proposer aussi des personnes qui euh, comme, comme disait Basile ne connaissent pas le jeu de rôle mais avec qui on pourrait faire des parallèles sur euh, leur métier leur expertise etc... C'était la première de It is Alive. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés et à la prochaine. Ciao ciao